Vient de la Tchèque Academy. Âgé de 36 ans, pesant 1m88, 15 combats, 3 victoires, 2 par KO, 1 par décision pour 12 défaites. Stanislas Stast Romanov. Dans le coin rouge, je crois qu'en belge, je lâche un mythique, âgé de 37 ans, pesant 1m82, 19 combats, 11 victoires, 2 par KO et 9 par soumission pour 8 défaites. Damien Foster. Et c'est parti pour ce premier combat de la soirée à la catégorie des moins de 93 kilos. Cinquième combat de la soirée, putain. Ce premier combat dans la catégorie dans la catégorie des moins de 93. Il m'a semblé qu'on était toujours chez les heavyweights. Non. Light heavyweight, 93 kilos. C'est des gros bonhommes. Alors, on y va. À moins qu'ils ont changé en dernière minute de catégorie. Ouh, super middle kick de la part de Stanislas Romanov. Là aussi, gros low kick intérieur. Se jette hein, Berthaud, attention à pas prendre un contre. Ouh, le coup de poing retourné. Joli réflexe, hein. Ouais. Très joli réflexe de la part de Berthaud. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment d'instinctif. Hein. C'est travaillé à l'entraînement, c'est sûr. La répétition. Là aussi, le kick intérieur de la part de Berthaud, ça échange beaucoup pour l'instant. C'est du donnant. Super overhand, il a été touché, Berthaud, j'ai l'impression. Il a été touché là aussi encore une fois. Même de défense de lutte. De toute façon, on le voit tout de suite, hein. Berthaud a décidé de changer de niveau presque instantanément. Ouais, c'est signe qu'il a été touché, là aussi Stanislas Romanov. Il commence à... Ouais, il est touché. Hein. Mettre la pression. Ouh, là aussi, énorme overhand. Il est touché. Berthaud, il se défend plus. Et là, encore. Ah, il fait signe. Non. Ça va bien. Mais les marques sont au visage dit le contraire. Ouais, là, il est touché. Même si c'est superficiel, mais... Attention, vu, hein, ça peut gonfler. Regardez son œil. Son œil est quand même bien marqué. Hein. Il y a un petit œuf qui commence à se former. Les combattants qui prennent les fights justement en short notice veulent vraiment terminer le combat très rapidement parce qu'à mon avis ils savent qu'ils n'ont pas la caisse pour tenir les trois rounds. Ouais, sans doute. Après, ça peut être tout à fait le contraire aussi. L'accepter en short notice voudrait peut-être dire qu'il est prêt. Qu'il est prêt, oui, c'est un double tranchant. Mais il n'aura jamais, je veux dire, entre guillemets, là. La préparation d'un combattant qui, ah oui, vraiment, qui était prévu sur la carte depuis un certain temps, effectivement. On le répète, hein, lorsque vous préparez un combat, vous êtes dans ce qu'on appelle un camp d'entraînement. Donc votre cadence d'entraînement augmente, votre préparation physique augmente également. Donc vous êtes censé être mieux préparé qu'un combattant qui accepte le combat en short notice. Là, on peut le voir, hein. Romanov commence à ouvrir la bouche, à montrer quelques petits signes extérieurs de fatigue. Mais il continue d'avancer. Et mettre la pression sur Berthaud, là, regardez, là aussi, il a touché et il lui fait signe. Ah, celle-là, tu l'as prise. Et celle-là, il lui a rendu, il a dit ok. Et
Et là aussi, il part de trop loin sans masquer son attaque. Il se fait sprawler par Romanov. Le kick extérieur de la part de Berthaud. Et Romanov qui continue ce travail de cadrage. Il a reculé contre la cage. Allez, il reste une minute au premier round. Romanov qui compte vraiment sur ce crochet. Ah, c'est superbe overhand du droit. Pourtant, c'est pas sa main forte. Hein, puisque il est gaucher. Il change de garde souvent. Là aussi, Berthaud qui commence à toucher un peu plus avec son direct du bras avant. À la tête, au corps. Super middle. Et moins de 10 secondes. Stanislas Frolov qui le charrie un petit peu en lui disant arrête de fuir le combat. Bon, un premier round un petit peu mou. Un petit peu mou, c'est parti. Il a laissé à un moment donné, il y a eu un petit orage. Passager. ça s'est calmé par la suite. Et après c'était assez mou. Touché à l'œil gauche qui reçoit des soins par le cutman. On va vérifier que tout va bien. On essaie d'atténuer au maximum la blessure. Coach Manier, hors de la cage s'il vous plaît. La minute est passée. Sébastien Love demande au staff des deux combattants de sortir de la cage puisqu'on a débordé un petit peu sur la minute. Et on va partir pour le deuxième round. C'est parti. Deuxième round. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Hein. Ouais. Ça reste beaucoup sur du à toi, à moi. Des coups isolés, un coup à chaque fois. Voilà, comme là, un low kick. On combine pas assez. J'ai l'impression que chez les lourds, sur certains combats, on se contente un petit peu. Hein. On espère profiter de sa puissance de frappe pour éteindre son adversaire sur un coup. Ça marche pas toujours. Et c'est énergivore, au final, ouais. Parce qu'on met beaucoup d'intention dans ce coup et au final on perd quelques cartouches. Damien combat devant son public, hein. Ouais. Attention le choc de tête. Il est hésitant Damien Berthaud, pourtant Pourtant, il touche. Hein. Ouais, il touche. Même au niveau du palmarès, il a un palmarès qui parle un peu plus que celui de Stanislas Romanov. Selon les stats, selon le palmarès, il devrait normalement maîtriser le combat. Après, bon, il n'y a aucun combat qui se ressemble. Chaque combat est différent. Et puis quand tu te prépares pour affronter un certain adversaire, tu mets un game plan en place. Là, le fait d'avoir un nouvel adversaire à la dernière minute, bah, ça chamboule un peu tout dans ta tête. Tu te dis, bah voilà, j'étais prêt pour telle personne et là je me retrouve face à un adversaire qui
sort un peu de nulle part. Différent, qu'on n'a pas eu le temps forcément d'étudier. Là, en tout cas, il a l'air d'encaisser quand même les coups à Romanov, puisqu'il a pris un beau crochet qui est arrivé sur le menton, là aussi. Surtout qu'il se montre... il entreprend. Ouais, il est agressif, il avance. Parfois qui se jette un peu, ouais, hein. Soit sur les takedowns, des tentatives d'amener au sol ou des frappes, comme on a pu voir tout à l'heure avec un Superman punch un peu loupé. On a l'impression qu'il est un petit peu déstabilisé, qu'il n'arrive pas à mettre son jeu en place. Mais, et après dire, quand on voit la posture de Romanov, il a les mains très très basses. Ouais, nonchalant. Hein. Nonchalant, vraiment boxe. Pas du tout académique, ce qui peut laisser un peu perplexe. Et il déclenche quand même assez vite, hein. pour un poids lourd, il déclenche quand même assez vite. Ouais, et ce coup et ce low kick qui est bien passé. On peut voir déjà la jambe de Damien bien rouge. Ah, il insiste trop mal avant, il sait qu'il a touché son adversaire, il sait qu'il lui dit, il lui montre du doigt. et belle petite feinte au final. Tiens, regarde en bas ta jambe et je te frappe en haut. Et il avance, hein, les mains baissées, vraiment, vraiment en confiance là, ouais, Romanov, attention à l'excès de confiance. Hein. Combat comme s'il n'avait strictement rien à perdre. Ben, je pense qu'il a rien à perdre, justement. Effectivement. Mais il a tout à y gagner. C'est vrai, accepter un combat en short notice. C'est surtout Berthaud qui a à perdre énormément s'il venait à subir une défaite ce soir contre un garçon qui a... pas le plus beau des palmarès sur le jeu. Ouais, super. Surtout, j'ai pu comprendre que c'était un peu son jubilé, dans le sens où c'est peut-être son dernier combat à Damien et qu'il aimerait, voilà, qu'il voulait finir sur une bonne note, généralement. Sur une bonne note et une victoire devant son public. Là, il devrait, je sens qu'il devrait quand même accélérer, parce que moi, je le vois en retard de deux rounds là. Après, c'est 15 secondes au deuxième round. C'est peut-être pas évident, tu sais, avec autant. Enfin, tu sais, quand tu laisses un certain temps passer, il était très inactif, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça joue énormément. Hein. Allez, c'est la fin du deuxième round. Après, c'est vrai que Berthaud, son dernier combat remonte à février 2019. Et on le rappelle, hein, c'était à l'European Beatdown 5. Il avait perdu contre. Joël Kouadja au premier round. Donc revenir après autant de temps d'inactivité, se remettre dans le bain, refaire une prépa, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'on a tous à côté une vie. Je veux dire, et ça se voit que c'est un combattant qui n'est pas actif, dans le sens où il combat pas chaque année ou plusieurs fois par année. Donc c'est plus une passion. Il a presque 4 ans d'arrêt là. Hein. C'est ça. Depuis février 2019, hein, on est en octobre 2023. Donc forcément, ça se ressent dans la performance. Je pense que Damien va devoir, s'il veut remporter ce combat, il va devoir terminer dans le troisième round pour ne laisser aucun doute. Ne pas laisser ça dans la main des juges. Ouais, bah, écoutez, espérons pour lui qu'on puisse continuer cette main card avec des beaux finishes. Parce que pour l'instant, il y a eu 4 combats, 3 finishes et une décision. Alors, on est au 5e. Et il reste 5 minutes pour Romanov qui finish. Qui l'invite au centre pour. Pour en découdre, pour échanger. Découdre, ouais. Lui, il veut échanger les coups. Il veut envoyer, recevoir. Et voilà, Berthaud répond à son invitation. Il a décidé d'accélérer un petit peu sur ce dernier round. Il a peut-être reçu la consigne de son coin qu'il était sans doute en retard. Et que s'il voulait gagner, il fallait finir assez bien ce qu'il fait. Il lui a manqué un petit temps. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Peter. Surtout qu'au troisième round, on n'a pas la même énergie qu'au premier.
Du coup, si on termine pas à l'amener au sol assez rapidement, on risque de rentrer dans des phases où on va se fatiguer. Et le mieux, c'est de parfois relâcher et repartir sur autre chose. Là, pour l'instant, il décide de rester sur ce travail de lutte. Et l'arbitre aussi leur demande de travailler. Sous peine de les séparer et de les renvoyer au milieu de la cage. Voilà, Stanislas Romanov qui réussit à sortir du grip de Berthaud pour se repositionner au centre de la cage. Super low kick suivi du direct. Et là, Berthaud clairement qui a décidé d'avancer sur son adversaire. Ça mouline un peu, hein, ça mouline un peu, on sent un peu la fatigue, les coups sont pas autant précis qu'au début. Alors là, on voit un Romanov qui a perdu énormément d'énergie à la suite de cet échange en clinch. Et beaucoup plus lent. Il respire. Oh, quel crochet. Il est resté de marbre, Romanov qui n'a pas branché. Hein. Ah ouais, il n'a pas branché. Il a encaissé comme si de rien n'était. Comme dirait Xavier Foupapokam, il l'a bu, il l'a encaissé comme un cookie. Il l'a mangé comme un cookie. Ah, ça doit être quand même assez déstabilisant pour Berthaud hein, d'envoyer un crochet du gauche comme ça avec tout le poids du corps et de voir son adversaire pas broncher du tout, rester debout face à lui, continuer à le harceler. Avancer les mains basses, avec une allure très nonchalante et envoyer des coups derrière. Ah ouais. Mais tu sais ce que je n'ai pas vu dans ce fight, c'est des feintes. C'est vrai, mais en même temps, il boxe sur des coups isolés à chaque fois. Regardez, c'est un coup, voilà, un contre. Mais tu peux. T'as pas de combinaison. Si tu boxes sur des coups isolés, je pense que si au moins au préalable tu feintes pour envoyer ce coup fort, ça te permet de créer des ouvertures. Ouais. C'est d'accord. Mais là, il n'y a pas réellement de changement de niveau, même la part de Damien, lorsqu'il a fait ses tentatives d'amener au sol, il n'y a pas eu de il a rien masqué. Ouais, ouais. Il a rien masqué, il n'a pas changé de niveau. Pour masquer, de toute façon, il vaudrait mieux boxer sur minimum deux coups hein, pour masquer une tentative, que ce soit d'amener au sol ou une tentative de kick. On arrive que très peu à surprendre avec un seul coup comme ça, isolé à chaque fois. Regardez, voilà, un coup, deux coups, tentative. Il a le temps de sortir. Il ne nous reste plus qu'une minute dans ce round et Romanov prend la direction sans trop m'avancer de la victoire. Ah, d'une quatrième victoire en carrière. Au pied levé. Et avec, après, je pense que c'est avec une certaine assurance. Hein, ouais, plus de ça. Clairement. Après, je pense aussi que. Il a accepté le combat justement en short notice à cause du long temps d'arrêt de Berthaud. On rappelle, depuis février 2019, il n'avait pas combattu, donc il se dit qu'il se trouvait peut-être dans la même situation que lui. Alors que Romanov, lui, par contre, est resté actif. Ouais. Il a combattu cette année, à plusieurs reprises même d'ailleurs. Et plus que 10 secondes, on entend le clap des 10 secondes. Avec Romanov qui continue d'avancer, de mettre la pression sur son adversaire. Qui tente de rusher à la fin, attention, il a été touché. Fin du combat. C'était pas loin du. Ouais, c'est l'accélération des 10 secondes. De la fin des 10 secondes. Accélération de la fin, voilà, il restait 10 secondes, il a tenté le tout pour le tout, il a tenté de marquer les esprits une nouvelle fois en manœuvre. C'est
c'est beau de voir ces images aussi. Le fair play. Un bel état d'esprit. C'est avant tout du sport. Voilà, on a échangé des coups pendant 15 minutes. Et à la fin, on vient saluer, remercier son adversaire du soir. S'échanger quelques mots. Romanov a fait le déplacement. Il a quand même fait le déplacement jusqu'ici. Et déclaré vainqueur par décision unanime. Le coin bleu, Stanislas Stask Romanov. Voilà, sans décision, grande surprise, Stanislas Romanov qui gagne la décision unanime. On vient d'entendre Sébastien Loeb rendre le verdict des juges. Voilà. Quatrième victoire en carrière.